What's up my playboy, what's up my playgirl? Welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Aujourd'hui, on va travailler les abdominaux. Restez avec moi, on y va. Alors, pour les abdominaux, je vais vous conseiller 4 exercices que j'affectionne tout particulièrement. On va commencer à travailler au sol ou sur un banc, mais sans charge, à vide. Vous allez vous allonger sur le dos. On va commencer par le bas des abdominaux. Vous allez mettre juste les jambes à 45 degrés par rapport au sol. On ne descend pas plus bas de façon à ne pas décoller les lombaires du sol pour ne pas se faire mal au dos. Donc, on descend à 45, pas plus bas, et on monte à 90 degrés par rapport au sol. On descend en incliné et on remonte les jambes comme une chandelle. Vous allez faire environ 20 à 30 répétitions pour les plus confirmés, mais pour les débutants, vous pouvez rester à 10, 12, 15, ça va pour un débutant. Exercice 2, on va passer au crunch, qui est aussi un mouvement de base qu'on travaille, on peut travailler à froid. Vous allez mettre les genoux en hauteur cette fois-ci, on bloque les genoux et on ramène les coudes en direction des genoux. On décolle légèrement les épaules, mais le dos reste plaqué au sol. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Vous allez faire environ une fourchette de 30 à 50 répétitions pour les habitués et entre 10 et 30 répétitions pour les débutants. Ensuite, on va travailler en renforcement à la poulie haute. Cette fois-ci, on va avoir la corde. On va prendre la corde qui permet aussi de travailler les triceps. On va mettre au niveau de la tête et on ramène les coudes en direction des genoux. Soufflez toujours en descendant et courbez bien le dos, arrondissez vraiment bien pour contracter au maximum le grand droit de l'abdomen. Et en dernier, toujours un exercice de renforcement maintenant de la sangle abdominale, vous allez passer sur un banc qui vous permet de mettre plus de tension au niveau des abdos. Les confirmés vont pouvoir faire avec une charge qui vont saisir au niveau de la main. Ça peut être un kettlebell, ça peut être aussi un disque de fonte ou même des haltères. Et là, vous allez effectivement descendre à la parallèle au sol, voire un peu plus bas pour les confirmer. Là, c'est vraiment pour avoir une sangle abdominale renforcée. Je parle vraiment pour les gens qui font aussi des compétitions, des arts martiaux, tout ce qui nécessite un bon gainage, une bonne force dans la sangle abdominale. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur ETV Fit.